République du Congo est sortie depuis 2000 d'une décennie de conflits armés qui ont pratiquement réduit à néant les efforts de développement économique et social entrepris depuis l'indépendance jusqu'à la fin des années 80. Les autorités congolaises se sont alors engagées dans une politique de réconciliation et de reconstruction des infrastructures socio-économiques en grande partie détruites. Le Congo d'aujourd'hui a tous les atouts et les fondements nécessaires pour sa modernisation et son industrialisation. Thank you.
Le développement durable de notre pays doit se traduire à travers la politique gouvernementale. Nous pouvons comprendre ce concept à travers sa stratégie, qui se décline comme la synthèse des actions à engager, des mesures à prendre et des projets à réaliser en vue de promouvoir l'essor économique et le progrès social sans mettre en péril l'équilibre naturel de la planète. Le Congo est décidé à devenir un pays émergent à l'horizon 2025. Une étape symbolique de son développement à long terme. Loin d'une utopie, cette ambition est assise sur une réalité. La volonté affirmée par le chef de l'État de moderniser et d'industrialiser le pays. Les efforts consentis et à réaliser visent à concilier le progrès économique et social avec la préservation de l'environnement. Le Congo qui se métamorphose pour gagner les paris de l'avenir se construit maintenant. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, un dense réseau routier reliant tous les départements et une nouvelle voie ferrée de 1767 km émailleront l'ensemble du territoire national. Le Congo se raccordera au Gabon, au Cameroun, à la Centrafrique et à la RDC par des autoroutes modernes. De par sa position géographique en Afrique centrale, la République du Congo recouvrera au fur et à mesure sa vocation de pays de transit avec le pont route-rail entre Kinshasa et Brazzaville, maillon essentiel du corridor de la Transafricaine, Tripoli, Windhoek, le Cap.
Des aéroports de niveau national et international se développent pour faire du Congo un hub dans la sous-région d'Afrique centrale. De même, le transport des marchandises sera rendu plus fluide au port de Pointe-Noire, prévu pour devenir le plus grand port en eau profonde d'Afrique subsaharienne, avec plus de 3 millions de conteneurs par an. L'achèvement du boulevard énergétique, base de l'industrialisation du pays, permettra de fournir de l'énergie électrique à tous. Les barrages hydroélectriques et d'autres sources renouvelables mettront hors circuit les générateurs thermiques polluants actuels. C'est en respectant l'environnement que le Congo réalisera son développement durable pour répondre aux besoins du présent sans compromettre l'avenir des générations futures. Indispensable pour la vie et devenant un droit pour tous, l'eau sera disponible et potable dans tout le pays à l'horizon 2025. Un Congo émergent, c'est aussi assurer un logement décent à tous les citoyens avec la construction de plus de 10 000 logements. L'amélioration des services de santé et des conditions sanitaires passera par l'équipement dans les arrondissements et chefs-lieux de département, de centres hospitaliers modernes et bien gérés. La construction d'immeubles modernes et des infrastructures de base contribuera à l'amélioration des conditions de travail et de la productivité dans l'administration publique et les entreprises. Les édifices ministériels et privés
Dalaya kwasa kwasa mopele anzale Sere la mata lo baranga Anga ware ninga e Dalaya kwasa kwasa mopele anzale Sere la mata lo baranga Anga ware ninga e Dalaya kwasa kwasa mopele anzale La cité du Festival panafricain de musique et bien d'autres réalisations participent à cet objectif et constituent une architecture moderne de la capitale congolaise. Brazzaville se dote de capacités pour accueillir de grands événements nationaux et mondiaux. L'implantation des complexes sportifs dans les arrondissements et les chefs-lieux de département permettra d'assurer une santé à la jeunesse ainsi que son équilibre physique et de stimuler les talents et l'élite dans le domaine du sport.